En 2017, dans une émission des Grandes Gueules, vous vous êtes livré à une réductio ad Hitlerum de Frédéric Chatillon, Florian Philippot, Alain Soral, Dieudonné. Oui. Est-ce que cette virulence est liée au rapport que vous entretenez avec certains lobbies pro-israéliens ? Lobby ? Lobby pro-israélien, je sais que vous avez... Non, monsieur, j'ai beaucoup d'amis juifs et je suis très honoré de ces amitiés parce que ce sont des gens que j'aime beaucoup. Le lobby, je ne connais pas. Ce genre de discours, je ne le connais pas, je le déteste. Et Soral, ce n'est pas ma tasse de thé, vous l'avez compris. Le Pen non plus. Soral, quand il va faire sa quenelle avec Dieudonné, le lobby facho, je ne l'aime pas. Quand il va faire sa quenelle avec Dieudonné sur le monument consacré à la Shoah à Bruxelles, non, j'aime pas ces gens. Mais on va pas dire, on n'est pas là pour... À Berlin, puis c'est pas... Non, ok. Ok, monsieur. C'est pas une question. Vous voyez, le lobby juif, je sais pas ce que c'est. J'ai des amis juifs, j'en ai de toutes confessions. Voilà. Et là aussi, vous voyez, les médecins ont quelque chose de commun avec les avocats. On doit soigner les dictateurs et on doit soigner tous les gens, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur philosophie. Je ne sais pas ce que c'est que le lobby juif. Et pour ne rien vous cacher, votre question me choque infiniment. Voilà. Mais vos amis ne sont pas les miens. Bonjour.